D'abord, je suis très honoré que Madame la Présidente m'ait invité à ce colloque où on essaye de revoir les rapports et les liens entre la nature, l'art et la science, et surtout l'ouverture nécessaire, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la manière de penser, l'ouverture vers la diversité, que ces trois formes, que ce soit la forme naturelle, que ce soit la forme culturelle et sociale, ou que ce soit la forme artistique ou la forme scientifique, nous invite à nous ouvrir vers les autres et de maintenir une société diverse qui sera en équilibre avec la nature. On a profité de cette manifestation qui ont célébré effectivement les 25 ans de la République et les 50 ans de l'indépendance, d'avoir une réflexion sur l'art, les sciences et la nature. Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde est conscient du fait qu'on doit évoluer dans l'idée de durabilité, parce qu'on parle beaucoup de développement durable. Et à Maurice, comme vous savez, nous avons des atouts qui ne sont pas forcément valorisés. Mais l'idée, c'est de pousser vers cette réflexion pour qu'on arrive à penser autrement et aussi avoir cette convergence entre l'art et la science que beaucoup de personnes ont tendance à croire que ce sont deux secteurs différents, mais il y a beaucoup de convergence.